Salut la team, on espère que vous allez bien. Pour notre part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, les gars, normalement, vous avez vu le vlog où on est parti en Italie. Et comme vous l'avez vu, on a acheté beaucoup de produits. Donc, bien sûr, comme d'habitude, partie 1 et partie 2. Parce qu'on a acheté beaucoup de produits. Voilà, on en a acheté 22. Ouais, 22. Donc, on a fait 11. Et voilà, les gars, donc on se retrouve pour la première partie. Donc, regardez ce qu'on a. On a 9 brioches et 2 boissons. Donc, pour commencer, on a... Alors, c'est surtout pour les produits sucrés qu'on va faire la partie 1. Et la partie 2, il y aura plus de produits salés, genre cordon bleu et toutes ces délires-là. Donc, le cordon bleu italien, genre de la mozzarella et tout dedans. Vous allez voir ça. Donc, les gars, de la marque Mondo Bianco, de chez Barilla. On a des flottis à la thé, donc au lait. Voilà. Après, oui, on a des flottis pareil au chocolat. Et donc, les nouveaux. Il y avait marqué nouveau. Les flottis stracciatelle. C'est un mélange de tout ça, en fait, de tous les deux. Regardez. C'est au lait avec des gouttes de chocolat. Puis, on a. Alors, de la marque Mondo Bianco de chez Barilla. Il y a marqué Sacchottino. Voilà. Voilà, il y a cela aussi. Donc ça chocolat. C'était à l'abricot et ça c'est au chocolat. Et puis on a des croissants fourrés au chocolat, les gars. Bon. Après, de la marque Kinder cette fois. On a ces brioches. Puis celle-là qui donne tellement envie. Coucou. Et celle-là. Ah, les gars, on a acheté beaucoup de produits pour faire une big dégustation. Ouais. Puis les boissons aussi, montrer. Ah oui, c'est vrai. Donc la marque Estate de chez Ferrero, les gars. Il y a marqué Ferrero, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Regardez, il écrit Ferrero. Voilà. Donc c'est la marque Estate. Donc là, c'est goût pêche. Hop. Et goût citron. Et les gars, dans cette vidéo, on va vous faire un petit classement. Ouais. Genre, comme d'habitude. Par exemple, de ces trois-là, on va vous dire les meilleurs. De ces trois-là, mais pareil, des trois comme ça, pareil. Et les gars, en sachant que si vous avez vu la vidéo FAQ, vous savez normalement qu'on est des Italiens, on est né là-bas. Et franchement, les gars, ça me fait rappeler des souvenirs. Tu te rappelles ça et tout là, tout ça, je me rappelle. Ah, les gars, franchement, je suis très très heureux. En fait, on a mangé ça fait au moins il y a 5 ans en arrière. 5 ans. Genre là, ça fait longtemps qu'on n'a pas goûté ça. Des nouveaux modèles, genre ça, je connais pas. Ouais, sinon, ceux-là, je connaissais même pas. Voilà, et on va vous dire ce qu'on pense, et ce qu'on aime, on n'aime pas. Et en plus, les gars, je pense, hein, franchement, de toutes les dégustations qu'on a fait, je pense vraiment que ça va être la meilleure. Parce que. Je sais pas, parce qu'en fait, je me rappelle quand on était petit, quand on mangeait ça au goûter, etc. C'était hyper bon. Mais après, peut-être qu'on a grandi et tout, on sait pas. On va goûter, on va vous dire ça. Donc, moi, je te dis, moi, on commence par eux, après eux et après eux. Les meilleurs pour la fin. Ouais, moi, je te conseille de finir par eux. Ouais, ouais. Deuxième. Bon, on va mettre ça de côté, les gars. Et les gars, en sachant que Kinder, c'est la marque italienne, donc il y en a un petit peu partout dans le monde, mais c'est des Italiens qui ont créé ça. Ah ouais, là, l'éclair est mieux. Donc les gars, on va commencer par ça, des brioches fourrées à la confiture d'abricot. Ouais. Voilà comment ça se présente, les gars. Il y a beaucoup de brioches. Il y en a 8. Vas-y, on prend une en partageant deux pour pas en prendre. Ouais, vas-y. Parce que c'est juste une dégustation, on va pas tout manger non plus. Les gars, je vois beaucoup de mes potes, ils me disent quoi? Ouais, à chaque dégustation. Attends. Quoi? Ils me disent tout le temps, à chaque dégustation, putain, tu me donnes faim et tout. Et je sais pas si ça donne vraiment faim. Sans l'odeur. Oh là là là. Ah, l'odeur de l'arbre. Ils sont très très bons. Et les gars, dites-nous en commentaire si ça vous donne vraiment faim. Parce que. Je sais pas si ça vous donne faim, mais nous, en tout cas, on se régale. Voilà, regardez l'abricot qui est au milieu. Les gars, c'est bien moelleux. Vas-y, oh. Maman. Allez, 1, 2, 3, bismillah. Mmh.
Une tuerie, les gars. Oh, c'est trop bon. C'est pas trop fort en abricot. C'est léger, on dirait. C'est hyper bon. Et il y a ce chocolat aussi. On est en train de se faire au chocolat. C'est un peu comme un pain au chocolat, tu vois, mais taille, toi. Non? Peut-être parce que le pain au chocolat, c'est pas liquide, le chocolat, c'est bon. Ouais. Voilà, pour l'instant. Ça se présente pareil. Pour l'instant, ça commence très très bien quand même. Ça commence très 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 bien. Oh, ça peut éclater. Tu l'as écrasé. Hop, hop, hop. Oh là 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 là. Rien que de là, vous voyez le chocolat. Oh là là. Il y a plus de chocolat que dans l'autre. Même s'il y avait moins de confiture. Mais t'as pris le côté plus de chocolat, moi j'ai rien. Ah ben, je crois que c'est à l'heure sans inverser. Moi je préfère l'autre. Non, pas du tout. On passe au croissant, les gars. Pas de temps à perdre. Les gars, pour nous. Qu'est-ce que ça sent brûlé, on dirait. Ah ouais. Voilà, petit croissant. Il est pas liquide. C'est pas liquide. Mais c'est super bon. Pour l'instant, c'est sans faute. Tout est bon. Tout, tout, tout. Et bien sûr, les gars, si un truc est mauvais, on dit que c'est mauvais. On vous dira. Et les gars, on dit pas que c'est meilleur. Que... regarde le papier, ça. On dit pas que c'est dégueulasse, que c'est tout le temps hyper bon. Parce qu'on est italien ou parce que. Pour une autre excuse, on dit la vérité, là c'est hyper bon. Et si vous allez en Italie, forcément prenez ces biscuits, vous allez vous... Oh, c'est trop bon. Moi déjà, commence par là. Attends, viens me boire un peu. Bah, moi aussi j'ai soif un peu. Bois et laisse-moi. Non, bois. Non, prends pas encore. Bois, oh, l'odeur, ça sent. Oh les gars, ça sent hyper bon. Oh my god. En fait, c'est pas du thé comme l'astietto. Regardez, c'est ce thé là. Le thé qu'il y a là. Le thé à l'infusion, je sais pas quoi, mais froid. Et en plus, c'est sans gluten ou je sais pas quoi. Sans colorant et sans... comment ça s'appelle sans un truc à ajouter. Bref, en tout cas, c'est... Non. Ah non, rien, rien. Les gars, il y a zéro matière grasse, zéro gras saturé. Ouais, là, lui, il y a 10,9 de sucre, 0,1 protéines et 0,0001 g de sel. Donc franchement, c'est une boisson bien quand même. Hein. Ah. Il y a zéro de gras saturé, etc. Donc franchement, ça fait pas trop grossir. En plus, c'est hyper bon de fou. Les gars, maintenant, on passe à ça. On essaie de faire ça rapidement pour pas que ça dure trop longtemps. Oh là là là. Là, j'en prends un. Parce que là... Piste, non, piste. Ouais, on dirait un truc de voiture, les gars. Je me rappelle du temps quand t'es chiffre, c'était hyper bon. Oh là là. Oh. Oh. Allez, 1, 2, 3. Vas-y. J'attends. Allez, 1, 2, 3. Bismillah. Les gars, en sachant que
Il est 16h54. Depuis midi, on n'a pas mangé. Parce qu'en fait, on est parti jouer au foot. On est revenu, on s'est douché, etc. Et on est passé à la dégustation. C'est tellement bon. Je sais pas si vous voyez le chocolat. Regardez ça pour la fin. Bien va goûter le même, mais pas au chocolat, genre. Au chocolat. Ouais, mais en fait, le. Genre, lui, il est entièrement chocolat et pas lui. Elle est quasiment pourrie. Attends. C'est pas comme l'autre. Regardez, il y a une crème. Vous voyez ou pas, il y a une crème, c'est trop bon. Ça a l'air d'être trop bon. Elle est 23 là. Meilleur que le premier. Lui, il est mieux. L'autre, ça a trop le goût du chocolat. Trop ouais, amer. Lui, il est trop trop bon. Donc lui, il est trop bon. Lui, je te veux pas. Ça dégage. Non mais lui aussi il est très très bon. Arrête. Par lui. Oui mais là c'est un dégueulasse, il est trop bon. Normal. Il est bon, oui, il est très bon, mais. Mais comparé à lui, voilà. Il est un peu. Mais en général, il est très très bon. Voilà, après. On passe au dernier de ce type. Attends-toi. Pour que vous voyez bien. Ah, je crois qu'il y a des cadeaux. En fait, regardez. En fait, je crois à chaque emballage du paquet, il y a comme un petit code. Et ça vous permet de gagner un cadeau, je crois, ou je sais pas. Ah, ils envoient du lourd. Rien que regarder comment elles sont faites. Je parie que la couleur, elle envoie du lourd. Ah, je crois que c'est attends, c'est au café, je crois. Regardez, il y a des petits grains de café. C'est le meilleur. Non, moi je préfère lui. Moi je préfère lui. Mais en fait, t'as raison. Lui, il est bon. En fait, il y a une crème blanche qui est très bonne, mais la crème au café, elle gâche tout. Mais c'est pas du tout fort en café. Tu sais, c'est du café, mais c'est pas fort. Mais il est très très bon. Les gars. On passe au estaté à la pêche. Ils sont les trois trucs. Là, attends. Lui rien que l'odeur, on dirait les mieux que l'autre. Ouais, attends, et les gars, bien sûr, il y aura la famille qui va goûter à tout ça. Allez, 1, 2, 3, bismillah. Meilleur que l'autre. Moi, je préfère l'autre. Ouais, l'autre, il est mieux. L'autre, il y a plus de goût, il est bizarre. Mais lui, il est hyper bon, mais le jaune, il est encore mieux. Hop. Ouvre. Donc lui, Olé. Non, lui, laisse-le la faire. Ok. On commence par le chocolat. Les gars, on va goûter avec lui au chocolat. Oh là là là. Regardez les gars. Comparé aux autres, regardez comment ils sont petits. Ils sont petits. Oh, ça sent bon. Putain.
Ah, c'est ouvert, c'est comme un sandwich. Regardez, les gars. On dirait c'est un sandwich au chocolat. Ouais, oh, la crème, en fait, le chocolat, c'est la crème, c'est hyper bon, c'est pas trop fort en bouche. C'est léger. À vous, on dirait pas que tu manges un truc léger. Ça, c'est meilleur de tous les de tous. À vous, même les autres. On n'a pas encore goûté celui au lait. Ouais. Non, ma vie, celui au lait va être encore meilleur. Laisse-le pour la fin. Mmh. On va goûter celui au lait. Merci. Oh, ils sont trop très bons. Oh là là. Attends. Oh putain, souvenir. Ouais. Tout à l'heure, ça me fait se rappeler des souvenirs. Attends. T'as la dalle. C'est là. C'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Attends. Ça a un arrière-goût bizarre, mais c'est trop bon. C'est très très bon. Mais je préfère l'autre chocolat. Après, chacun ses goûts, tu vois. Parce qu'il y a un arrière-goût un peu bizarre et ça gâche tout. J'ai vraiment soif. Attends. Il y a Nour qui m'appelle, mais bon. Je pense avoir trop de temps. Oh! Je sens que ça va être le meilleur. Je sais pas pourquoi. Oh! Oh là 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 là! Oh, ça sent hyper bon. Allez, N3, bismillah. Le meilleur. En fait, dans lui en blanc, l'arrière-goût était bizarre. Alors que lui, son arrière-goût, c'est le chocolat. Ouais, j'aime pas. Quoi? Tu as fini, s'il te plaît? Bah, on peut plus, frère. T'as vu? Ça m'a calé. Ça cale. Bon, pour pas gaspiller, je vais le finir. Oh. Et on passe au classement ou pas? Il y a l'autre. Allez là. Et gars, pour ces trois-là, moi je dis. Lui au chocolat premier, lui le blanc avec des pépites de chocolat en deuxième et lui en dernier. Comme ça. Ouais j'avoue. Mais les gars, les trois ils sont tartan bons quand même. Ils sont hyper bons, mais lui il est plus que bon en fait. Et voilà, donc. Pour les Kinder. Premier. Non. Troisième ou. Deuxième. Troisième. Et eux aussi, ils sont tarpin bons les trois. Après, pour le classement. Ah les gars, ça fatigue. Oh la méthode, j'ai trop mangé là. Premier. Ouais. Ouais, 300. Deuxième, les croissants, oh putain. Troisième, et bien sûr, eux aussi, ils sont tarpins bons, les gars. Et pour les boissons, les gars, premier deuxième, pour vous rappeler la marque, c'est Estaté, voilà. De chez Ferrero, les gars, franchement, ça aussi, c'est hyper bon. Et voilà, les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, commenter, partager. Et dites-nous en commentaire si ça vous a donné faim. Franchement, nous, on s'est régalé. Et on se dit très bientôt pour la partie 2. Allez, à la prochaine. Ciao.